Star Academy, Julien prend enfin la parole son élimination et promet du lourd. Malgré une armée de fans prêts à le défendre jusqu'au bout, Julien a été éliminé ce samedi 12 novembre à l'issue de primes de la Star Academy. Au profit d'Anisha et de Sienna. Il faut dire que depuis quelques jours le jeune homme de 20 ans avait accumulé les fautes qui avaient agacé le grand public. Il avait notamment refusé le cours donné en talon aiguille par Yanni Marshall avec des arguments dignes de Capitaine Caverne qui n'ont guère séduit les téléspectateurs. Après une évaluation médiocre après laquelle il a refusé la seconde chance donnée par ses enseignants et un cours de sport allègrement sauté, Julien a commencé à faire grincer des dents à l'extérieur de Damarylis, mais aussi entre les murs du château. Ainsi Enola, agacée par les récents coups d'éclat de son camarade, avait révélé qu'elle ne voterait pas pour lui s'il n'était pas sauvé par le public. Il a tellement peur de sa propre médiocrité possible qu'il préfère ne rien faire. Comme ça il n'est pas jugé, je pense que c'est un peu une pudeur et un manque de courage. A-t-elle d'abord confié. Il n'est pas dans l'esprit Starac. Il le sait et l'assume. Tout ce qu'on nous dit de mettre en pratique, il n'en tient pas compte, sur le moment. Il est à l'écoute, mais dans la pratique, il n'y est pas. J'ai peur qu'il sorte de là et qu'il n'ait pas appris grand-chose. Il se bloque, il refuse presque d'apprendre. Il n'ose pas se perdre, être confronté à ses peurs, à ses réticences, avait-elle ajouté. Samedi, Stan et Julien ont finalement bien été éliminés au profit d'Anisha et Sienna. Le garçon a pu retrouver son frère Mathieu, ancien gagnant d'un autre télécrochet, qui a tout du long de l'aventure de son frère, veillé à se rappeler aux bons souvenirs des téléspectateurs. Dans la foulée, sa compagne Carla de Croignac, qui était elle aussi sortie du bois pour défendre Julien, et tous deux ont pris la décision de priver le garçon de 20 ans de Twitter afin de le protéger des commentaires malveillants. Il a en revanche eu la possibilité de s'exprimer sur Instagram, et s'en est emparé ce dimanche. Voilà, ça y est, c'est la fin de l'aventure Star Academy. Je tiens à remercier vous tous qui m'avez soutenu. Vous m'avez fait prendre conscience de qui je suis et qui je pourrais être. J'ai hâte de vous proposer du lourd et qu'on kiffe ensemble. A-t-il d'abord indiqué dans une story. Merci à toute la production qui m'a permis de réaliser mes rêves sur scène et qui sait peut-être même en dehors. Et puis surtout merci aux professeurs pour leur patience et leur authenticité. En tout cas tout va bien pour moi, je suis heureuse et reconnaissante de ce qu'il m'arrive. Merci à tous, je vous embrasse, à très vite a-t-il promis. Les fans attendent désormais la prochaine étape. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.